c'est tortilla géante pour la scène où en fait Supa il va envelopper le beau gosse dans une tortilla en stop motion. Et tu sais, nous on écrit ça, tu vois, on sait pas ce qu'ils vont faire eux, et en fait ils font des trucs de ouf. C'est génial. Elle est ouf la tortilla. Elle est trop bien, hein. Elle est trop crédible. Merde. Je sais même plus, mec. Je crois qu'on a écrit des conneries et on était en mode tiens, c'est marrant s'il l'emballe dans un grec. Je pense dans les sessions d'écriture, tu sais, il y a plein d'idées qui partent et il y en a quelques-unes qui prennent forme et ça donne ça. Quoi. C'est projeté. Ça a demandé la collaboration d'au moins 12 Mexicains. Des experts en pâte. Ouais. Beaucoup de farine, restaurant. On a un partenariat avec les Moulins de Paris. On a découpé du plastazote. C'est une sorte de matière plastique assez souple qui se courbe bien, du coup, il y a pas mal de costumes qui sont faits avec ça. Ensuite, on a fait une structure en fil d'alu qui a fait tout le tour. Et on a renforcé, on a mis une petite platine en bois pour le tenir à la main. Et on a fait partir deux tiges d'alu recuit, de plats d'alu en fait, pour qu'elle puisse se courber et se plier et maintenir sa position. Attention, 1, 2, 3. Soleil. Du coup là, il sort de là. Encore en tendant la tortilla le plus possible. C'est les rabats.